Il nous est arrivé pas mal de choses. On est coincé à Mexico, notre hélico a été détruit. J'ai faim, je suis fatiguée. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais faim? Les gars, eh oh! C'est pas trop l'ambiance. Je sais pas si je vais réussir à continuer, Daisy. C'est trop dur. Excusez-moi, mademoiselle Barbie. Oh, bonjour. Comment tu t'appelles? Marissa. Je voulais juste vous dire que j'adorais vos vidéos. Vous êtes mon héroïne. C'est vrai? Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne baissez jamais les bras. Tu as raison. Perdre l'hélicoptère, c'était difficile. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Ça, c'est la Barbie que je connais. Daisy, il est temps de voyager comme tout le monde. Bon, c'est quoi notre stratégie? Je suis prête à parier que si le joyau est ici, il sera forcément dans le monument le plus connu de la Place Rouge, la tour Spasskaya. C'est l'un des lieux les plus touristiques de Moscou. Je vais la regarder de plus près. Il est dans l'étoile, en haut de la tour. Mais comment on va le récupérer? Oh, j'ai la solution. Vous vous souvenez du sac à dos que je vous ai donné? Tire sur la ficelle rouge. Elles vont avoir une sacrée surprise. Barbie, ton sac à dos est un propulseur. Nikki, tu es un génie. Ouais, je sais. C'est parti pour un tour. Quand tu as vu partir Barbie, tu diras que c'était dans cette direction ou dans cette direction? Je ne vous dirai rien du tout. Écoute-moi, fillette. L'inspecteur Deschamps arrive toujours premier. Laissez Magnetta tranquille. Agathe, Anne. Oui, oui. Barbie. Bon, Barbie. Je sais que c'est très amusant, mais il nous faut ce joyau. Pardon, c'était bien trop rigolo. Je l'ai. Ce n'était pas gagné, mais j'ai réussi à faire rentrer toutes vos valises dans la voiture. Où est-ce qu'on est censé s'asseoir? On a réussi, Daisy! Merci d'avoir récupéré le joyau pour moi, Barbie. Tu nous suis depuis Paris? Montre-nous ton visage. Ciao, je m'appelle Pietro. Pietro? Comment tu as pu nous faire ça? Je croyais qu'on était amis. Ça fait une bonne leçon à retenir, chères aventurières. Ne pas se fier aux apparences. Oh non, j'ai plus d'essence. Il s'enfuit. Sûrement pas. C'est une puce GPS de Nikki. On pourra le retrouver où qu'il soit. Va descendre la pente. Mais comment on va l'attraper? Je m'en occupe. On se rejoint au pied de la montagne. Vas-y, Barbie. Arrête-le. Salut, Skipper. Oh, Barbie est un peu occupée pour l'instant. Ça va? Dis à Barbie que ça risque d'être juste. Mais on va y arriver. On se voit à Paris. Bien reçu. J'y suis presque. Quoi? Je suis suivie? Non, qui te suit? L'inspecteur Deschamps. Eh oui, c'est moi, l'inspecteur Deschamps de la police parisienne. Qu'est-ce que vous faites là, inspecteur? C'est dangereux. C'est vous qui le dites. Je suis un expert en ski. Wow, wow, wow. Vous devriez vous arrêter avant de vous faire mal. Jamais. Je veux coincer ce scélérat qui a volé le dernier joyau. Ça sera mon arc de triomphe. Oh non, inspecteur! C'est mon moment de gloire! Que faire? Vous
Vous m'avez sauvé? Mais pourquoi? Parce qu'on est dans le même camp, Deschamps. On veut tous les deux retrouver la Joconde. Oui, je dois y aller. Allez, Daisy, on doit retrouver ce joyau. C'est pas encore fini. Nikki, on vient d'arriver à Londres. Tu en es où? Ben, le camping-car est tombé en panne d'essence, mais j'arrive bientôt. Si Pietro est là, c'est que la Joconde n'est pas loin. Il faut la retrouver avant lui. On se rapproche, allons-y. Cet endroit me donne les chocottes. C'est la tour de Londres. C'est là que la famille royale garde les bijoux de la couronne. On raconte que l'endroit est hanté. Hanté? Pourquoi Pietro a pas choisi une jolie plage de sable fin? Le GPS est arrêté à l'intérieur. On y va. C'est l'entrée du cachot. Bien sûr qu'il est dans le cachot. Il doit être de l'autre côté de cette porte. Il y a un truc qui cloche. Pietro! Tu as peut-être récupéré les 6 joyaux, Barbie. Mais tu ne pourras jamais sauver la Joconde en étant enfermée dans ce cachot. Non! Barbie? Daisy? Allô? C'est pas drôle, les filles. Je sais pas où vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Barbie et Daisy vous réussiront à sauver la Joconde? Découvrez-le la semaine prochaine.